impassible, résolument, un homme et une femme s'embrassent avec douceur, patience et grâce. Comme une statue de marbre blanc. Douce, calme, jeune et jolie, la femme enlace d'une caresse cet homme fort avec tendresse. Et d'un baiser, à lui se lie. De ces deux êtres nus, s'échappe tout un parfum d'éternité, comme un soupçon de volupté que la réalité rattrape. Rendez-vous au musée Rodin, dans la grande salle du baiser. Ce message que tu m'as laissé, je l'ai encore là, dans la main. Pourquoi me donner rendez-vous ici, devant cette statue, devant ce baiser dévêtu? Est-ce un clin d'œil entre nous? Nous sommes-nous déjà embrassés comme eux? Longuement, patiemment, avons-nous pris un seul instant l'un l'autre pour nous apprivoiser? L'amour ketchup sans pause café, c'est pas difficile à décrire. L'amour, ça vient, comme ça, au pire, entre deux pubs à la télé. Et si par ce baiser, Rodin voulait seulement nous éveiller, pas plus, et nous émerveiller d'un simple geste de la main? Pour lui, l'amour n'est que douceur. De la douceur et du respect. Son marbre blanc sous cet aspect nous renvoie l'idée du bonheur. Le bonheur. Oui, le grand bonheur. Tu n'as que ce mot à la bouche. Je comprends mieux ce qui te touche. Capter le temps avec douceur. Tu ne viendras plus, c'est certain. Si ce message m'était dicté, et si j'ai pu le décoder, c'est grâce à vous, Monsieur Rodin.